Et on envoie le jeu vidéo sur les routes. Bonjour à tous et à toutes. C'est Flo du Métro. Et oui, voilà, on va découvrir ce jeu ensemble, Mini Motorway. Vous avez déjà vu les vidéos que j'ai fait sur Mini Métro. Et ben voilà, on va faire ce jeu-là. Et on va commencer par Los Angeles. Comme vous avez vu, j'ai commencé à jouer à... jusque-là, j'ai pas joué beaucoup trop. J'ai pas voulu trop découvrir. Voilà, voilà le record, c'est 1483. On va voir si je peux faire mieux. Donc là, il va pas me lancer. Alors, petite astuce, quand ça vous arrive, ça peut vous arriver. Ils ne veulent pas les lancer, donc là vous appuyez sur la flèche ici. Vous revenez, vous recommencez, vous faites jouer. Là, tac, vous cliquez sur jouer. Et voilà. Et là, il veut bien lancer. Alors ne me demandez pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas. Je ne le sais pas moi-même. Donc là, le principe est très simple, c'est de faire des routes. Bon, moi j'ai fait comme ça, vous faites comme vous voulez vos routes. Donc là, les maisons jaunes vont, les voitures jaunes vont à l'entreprise jaune. Alors, le système que ils employaient est très compliqué. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire plus simple. En fait, pour eux, quand le point il apparaît, c'est que l'employé va au travail. Mais c'est ce qui n'est pas très logique parce que quand tu prends ta voiture, tu vas au travail, d'accord? Mais tu restes pas juste. Ouais, t'arrives pas en voiture et après pour repartir aussitôt. C'est pas logique. Ils auraient dû faire ça autrement. Tiens, regardez, on va faire ça une route comme ça. Faire mieux, on va faire une route comme ça. Donc ceux qui sont en rouge vont à l'usine rouge, tout simplement. Donc c'est assez simple comme principe. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas cette vidéo vous plaît. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Donc là, comme mini métro, à chaque fin de semaine, on nous propose plusieurs choix. Voilà, comme là. On a le choix. Choix 1, 20 routes. Choix 2, 20 routes. Et on a le choix entre un rond-point ou bien deux feux tricolores. Je sais pas trop quoi choisir à chaque fois. Je sais pas qu'est-ce qui peut être le mieux. On va prendre le rond-point. J'arrive pas à me décider à chaque fois de savoir quel est le mieux. Je n'y arrive pas du tout. Là, je vais essayer de mettre un rond-point, s'il veut bien. Voilà. Donc là, on va modifier un peu le parcours. Voilà. Faire ça comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. Voilà, faites toute une incidence sur nos actions qu'on fait. Donc, enfin, peut-être pas tant au début, tant que ça, parce qu'il y a toujours. Je voulais voir un peu si on proposait tout le temps les mêmes choix. Et pour le premier choix, on propose tout le temps ça. Donc, à mon avis, pour le reste, je crois que c'est pareil.
Moi, je me suis pas amusé à mémoriser tout pour savoir si c'était pareil ou pas. Mais en tout cas, il me semble que. Voilà, là, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Il me semble que c'est comme ça, en tout cas. Après, on aura choix entre des ponts. Et on peut mettre un pont si on veut. Bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'il n'y a rien de l'autre côté encore. Mais après, oui, on pourra mettre des ponts. Et après, on aura même des autoroutes. Alors, vous allez voir, les autoroutes, c'est assez spécial. Voilà, là, regardez. Dans ce cas-là, pont pour aller là, pour aller à Stuzy. Là, on a le choix entre ça, le choix 1, 30 routes de feu et 20 routes. Je prends toujours le choix des routes supplémentaires parce qu'on en a pas mal besoin de routes. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le. Bon, là, ça va encore. Mais quand les usines deviennent. Là, regardez, on a déjà trois usines déjà, donc ça fait des couleurs différentes déjà. On va faire même. Regardez les rouges aussi. On a trois couleurs différentes là, pour l'instant. Et vous allez voir que ça va devenir vite compliqué quand les usines vont avoir des formes cylindriques. Et là, ça fera beaucoup plus de points. Donc beaucoup plus de voitures. Là, vous voyez, ça s'écoule comme ça. Mais après, vous allez voir, ça va vite changer. Ça va vite déchanter. Là, il y a deux usines jaunes. Donc, et après, on a plus en de... il nous faut avoir de plus en plus de voitures pour y aller, pour se rendre. Et ouais, ça va devenir vite compliqué. Le choix risque d'être très problématique. Et d'ailleurs, à chaque fois, je me demande comment je peux faire pour que ça aille mieux. Alors, du coup, je me dis, j'essaye, je mets plein de routes. Je me dis, ça ira bien si je mets plein de routes dans différentes. Ouais, ça aide, en partie. Mais après, il faut comme le jeu évolue, il faudrait rechanger aussi les routes pour que ça aille. Vous voyez, là, on a encore une autre usine. Et là, vous allez vous rendre compte que ça va faire beaucoup plus de voitures. Vous allez voir. Voilà, on va faire comme ça et comme ça. Alors là, vous voyez, on peut mettre une autoroute. Allez, on a une autoroute. Donc, vous allez voir comment on va faire. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû faire comme ça. Vous allez voir comment on va faire. Donc, on va faire comme ça. L'autoroute. Alors, on va la mettre là déjà. Alors, ça, on va le virer, ça. Et on va garder cette portion-là. Et ça, on va le mettre, l'amener ici. Voilà. Et voilà, nous avons notre autoroute. Donc là, et du coup, ils font un accès direct pour aller à l'usine. Vous voyez, là, c'est. Du coup, ça va faire un peu moins d'embouteillage là sur la route de dessus. Du coup. Puisque du coup, il n'y aura plus les voitures bleues qui vont circuler. Puisque les voitures bleues auront un accès direct à leur usine.
Vous allez me dire, ça va être facile de faire ça pour le reste des usines. Mais non, pas du tout. C'est. Ah non, sinon, ce serait trop simple. Là, par exemple, je peux me retrouver qu'une maison bleue ailleurs. Du coup, par exemple, si j'ai une maison bleue, du coup, je suis obligé de faire un trajet comme ça. Et s'il y a des maisons jaunes qui apparaissent là, du coup, bah, ça retrouve en pleine circulation. Ou il y a les autres voitures qui sont là. Eh oui, tout pose problème. Voyez là, déjà, hop, un signal jaune, là ça a commencé à devenir sérieux. Ça. On préfère aller là. Là, pour aller au pont. Et en tout cas, il va falloir un autre pont. Hein. But, c'est un peu d'aider. Ah, il n'y en a plus de route. Il n'y a plus de pont. On va prendre ça et des routes. Puis là, pour l'instant, ça va bien. On a. Et on récupère nos routes là qu'on a mis par erreur. Je peux, tout moment enlever les routes et changer. Donc là, le bleu, ça va. On s'est bien débrouillé pour le bleu. Je dirais du moment qu'on arrive à se débrouiller pour une usine, ça va. Si on en a déjà interrogé, on s'occupait du bleu. Après, il y a plusieurs, ça va être quand on va avoir d'autres maisons bleues. Là, c'est costaud. En général, on n'a qu'une usine bleue, j'ai remarqué à ce niveau-là. Et on n'a pas d'autres. Et après, on n'a que des maisons bleues. Mais après, pour les autres usines, on a plusieurs de bleu clair, de rouge aussi et de jaune. Après, on aura une verte qui va apparaître aussi. Quand on arrivera de l'autre côté de l'autre rivière, du Saint-Gabriel River. J'ai dit comme s'il y avait un S au bout. Là, je vous dis mes projets. Je vais mettre un pont ici, pour aider. Parce que là, ça va se retrouver vite saturé, vous allez voir. Et là, on va avoir plein de maisons qui vont apparaître. Plein de ce côté-là. Et plein de ce côté-là aussi. Ça comme ça, les rouges ils peuvent y aller. Oui, les jaunes pour l'instant c'est. Alors je vais essayer de faire plusieurs trucs déjà aussi dans le jeu de relier toutes les maisons bleu clair pour aller à l'usine aux usines bleu clair. Oh là là, c'est galère comme tout. Là, je vais prendre ça. C'est galère comme tout à faire. Voilà, on a du vert maintenant. Heureusement que j'ai bien choisi là. Parce que vous voyez, si j'avais pas eu le pont, on était embêtés. Et là. On va prendre là et on va relier ici et on va faire la route ici. Voilà. Donc là, c'est assez costaud, relier toutes les maisons jaunes entre elles, sont pas au même endroit. Regardez, les maisons bleues claires, elles sont plus prêtes de l'usine jaune-rouge que de là où elles sont.
Ah, non, encore une maison verte. Alors, monter par là. Voilà. Là, on a du rouge. Pas trop évident à savoir comment les organiser. Costaud. Regardez toutes les voitures rouges qu'il y a, qui l'embouteillage que ça fait dans l'usine. Bon, là vous allez me dire, ça va, là ça va encore, il n'y a que un cylindre jaune, ça va encore. Alors, voilà. On a combien de routes? 16. Peut commencer à faire une autoroute si on veut. Une autoroute pour aller où, à où? Ah, attends, on va faire une autoroute pour aller là. On va supprimer le pont ici. Allez, on va faire ça. Et on va faire le notre autoroute ici. Voilà. Ça. C'est embêtant là. Il m'embête, hein. Il m'embête, du coup, je vais faire aller mon autoroute ici. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors ici, on va même pouvoir mettre une route avec les routes qu'on a gagnées. Regardez là, cylindre ici. Regardez, c'est devenu un cylindre ici. Regardez tous les points. Là, il va nous falloir plein de voitures qui aillent là-bas. Donc là, il va falloir que ça aille assez vite. Pour y aller. Donc là, imaginons que les voitures ici, jaunes, vont là. Que ça commence déjà embouti ici. C'est cauchemardesque. Là, il va falloir faire un truc pour éviter. On n'a pas d'autre truc là, non. On a un pont. Entre pont et rond-point, je pense que je vais prendre un pont. Voilà, je sais pas trop quoi prendre. Bon, là, en tout cas, je vais changer ici, je vais supprimer la route. Pour qu'ils aillent favoriser ici. Ah là, on a déjà un truc. Ah voilà, cylindre bleu. Bon, là, ça va encore, on a pas mal de voitures disponibles. Il arrive que des fois, oui, il manque des routes. Non, tu vois là. Bleu est réservé ici. Il m'arrive des fois qu'il manque des routes pour continuer. Ah, regardez, là on a un cas très particulier, regardez ici. Donc du coup, là on va changer notre manière de faire et on va faire. Voilà.
Et du coup, ça ira comme ça. Lui ira comme ça. Voilà, pour rester dans le bleu. Du coup, vous voyez, c'est très problématique dans un cas comme ça. On a regardé, ça commence à devenir le bazar. Et là, on a du jaune en bas. On a combien vendredi? Vendredi, on va faire un regroupement. Regroupement pour que. On va peut-être attendre même la fin de la semaine. Vous voyez, on va attendre la fin de la semaine. Et on va faire une route comme ça. Pour nous aider. Vous allez comprendre l'objectif. Ah, regardez, on est un peu mal. Ah non, même pas. On n'a même pas. On n'a pas encore de. Là, on est mal. Il y avait un sablier qui était apparu. Donc, ici, du coup, on n'a pas le choix. Donc, du coup, on va faire ça comme ça. Allez, toutes les voitures. Venez ici. Et là, on a besoin de verre. Pas de pont. Je vais continuer sur la terre ferme. Ah, ben là, c'est très bien parce que là, on a besoin de jaune. La route jaune va là, donc c'est très bien. Que le verre. Essayer de modifier un peu le truc là ici. Voilà. Jaune reste là, le vert il accède par le haut comme ça. Le jaune qui accède par le haut, le rouge, regardez le rouge en bas. On a déjà un décompte. Là aussi, ça commence à devenir chaud. Voyez un peu les embouteillages qu'il y a, du coup ça ralentit. Ça ralentit fortement. On se retrouve embêté aussi. Là, on est à 2 degrés de perdre ici. Ça va être perdu. Ça va être perdu. Ça va être perdu. Ça va être chaud. Une autoroute, oui. Une autoroute, ça va très bien. Et on va la faire ici d'ailleurs pour le rouge. J'avais dit qu'on le ferait pour le jaune, et ben non, finalement, on a changé d'avis. On va faire pour le rouge et on va faire ici. Ici, parce qu'on est mal barré et c'est perdu. Déjà, magnifique. Voilà. Vous avez vu un peu? On peut continuer en mode sans fin si on veut, comme dans le jeu Mini Métro. Que dire d'autre sur ce jeu? J'ai pas trop envie de continuer de jouer. Ce jeu. Des fois, je suis pas très motivé pour le jouer, en fait, à continuer à jouer ce jeu. D'habitude, je suis motivé. Je me dis. Oh, il faut que je fasse quelque chose d'autre, tout ça. Et là, des fois, j'ai pas de motivation pour continuer comme là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce jeu. Écrivez à moi si le jeu vous a plu ou pas. On va revenir au menu pour parler un peu plus de. Alors, vous voyez là.
Non. Là, ici, carrelage d'autoroute. Ici. Alors, oui, on a vu les trucs, comment c'était. Là, après, c'est un peu différent. Et après, je crois qu'il y a même un train. Il y a un train connecté à Tokyo. Et là. Ouais, là, il y a un train ici. Regardez. Là, il y a un train. Il y a le circuit du train qui fait tout le tour. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi. D'ailleurs, là, il n'y en a pas. Il semblait qu'il y en avait un. Je savais qu'il y avait une difficulté supplémentaire au fur et à mesure. Enfin, vous verrez les difficultés au fur et à mesure des parties que je vais faire sur ce jeu. C'est très intéressant. Les niveaux sont pas les mêmes. C'est totalement différent de millimètre. Parce qu'il y a des deux trucs différents. Vous verrez. C'est de plus en plus compliqué. C'est très dur de plus en plus. Vous voyez là déjà Tokyo. Et Londres. Là j'ai pas fait encore. Les autres je les ai pas fait. Là c'est bloqué. Putain, là c'est déverrouillé. Je sais pas pourquoi. Là c'est verrouillé normalement. Il y a pas mal de trucs. Hein. Busan. Busan. Bon, on va. C'était quand que j'ai fait Los Angeles. Je note, je mémorise pour savoir un peu. Normalement, c'est bizarre parce que normalement, on voit celui-là et ça déverrouille le suivant. Et là, non. C'est curieux. Enfin, je comprends pas. C'est pas grave. Et là, on a d'autres trucs que j'ai pas fait. Los Angeles, c'était Los Angeles avec Flo du métro pour amener les gens au travail. Peut dire ça comme ça. Enfin, moi, j'aurais dit autrement. J'aurais formulé autrement. Allez. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye à tous. Alors, comment on arrête ça déjà?